Bonjour, le programme que vous allez regarder s'intitule Origins. Il s'agit d'un jeu de rôle. Si vous savez tout ça, vous pouvez directement passer au timecode qui s'affiche ici. C'est donc une histoire interactive dans laquelle les joueurs évoluent. Je suis le narrateur de cette histoire, mais c'est eux qui décident des actions qu'ils effectuent, et donc celles-ci ont une influence sur l'histoire. Tout en narrant les événements, je glisse des éléments de ce qu'on appelle le lore, c'est-à-dire l'histoire de l'univers en tant que tel. Ces informations ne sont pas fondamentales pour la compréhension, mais peuvent apporter une petite raison supplémentaire de suivre l'histoire. Dans cette série, les joueurs sont plongés face à une invasion de créatures incroyablement puissantes et incroyablement nombreuses, sommairement nommées les démons, et d'une plus particulièrement embêtante, le Kalaktak. Celle-ci, réputée invincible, fait peser un lourd poids sur les épaules de notre groupe, qui doivent, malgré leurs différences, s'allier et former une équipe afin de sauver le monde. Ou au moins en retarder la fin. Que vous soyez ici pour découvrir une autre manière de masteriser, plonger dans l'univers, suivre l'action, ou juste tout simplement voir une bande de potes s'amuser et passer un bon moment, vous êtes les bienvenus et je vous souhaite un excellent visionnage. Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. Était-là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Pendant l'épisode 44, nos héros ont découvert ce qu'il était advenu de Doreholm. Doreholm, la tour de Doreholm, qui s'était trouvée téléportée, transloquée depuis l'endroit où elle se trouve normalement, à la sortie de la faille des Anima, jusqu'au-dessus de Ketera. Une prouesse magique telle qu'il n'y en a pas eu depuis longtemps, et pourtant ce n'est pas ça qui va stopper le Kalaktak, très clairement. C'est justement dans ce contexte que nos héros cherchent des moyens de parvenir à leur fin, d'améliorer leur équipement, et également d'élaborer un plan afin de lutter contre cette menace. Messieurs, vous vous trouvez dans une pièce qu'effectivement vous n'avez pas vue mais que vous déterminez comme étant de la tour en tant que telle. Ce qui se passe en cet endroit est assez particulier, hein, on va se le dire. Bon. À l'intérieur du cercle de colonne centrale, il y a un cercle. Vous déterminez très clairement en cendre de phénix, au centre duquel se tient Luanalia. Luanalia qui reste globalement immobile, genoux au sol, avec absolument toute l'énergie qui descend des cristaux et qui vient jusqu'à elle, l'entourant dans un vortex. Vous remarquez la présence de Nina juste ici. Qui n'a pas l'air effrayé du tout d'ailleurs. Et vous vous retrouvez donc devant ce spectacle crépitant d'énergie, tellement d'énergie même que un non-initié en sent la puissance. Ouh. Ouh. Layanin, qu'est-ce que tu dis ou fais? Bah déjà je suis assez impressionné par l'émanation d'énergie, je suppose, étant donné que moi en plus je peux la voir. Oui. Ce que tu sens même, c'est que en fait ça vient de l'intégralité de la tour, littéralement de tous les étages, de tous les cristaux que vous avez vus précédemment, qu'elle est drainée et qu'elle est réinjectée par cet endroit, sous la tour et autour de la tour. Je vois genre. Je dis pas de conneries, Luna c'était l'Eldrazi. Ouais. Mais forcément aussi mon regard va finir par retomber sur Luna et moi ça va. Au moins elle est en vie. Elle te fait un petit bonjour de la main d'ailleurs. Je lui rends. Et simplement, je me retourne vers les rocs et je fais « Bon, bah tu te demandais comment ils ont fait voler la tour. » Bah
de moi, alors vous me voyez qu'un regard genre... Pouah ! Très bien, alors évidemment moi je dois pas voir toutes les émanations magiques et tout le merdier que vous voyez, donc je suis juste un peu admiratif parce que je pense que j'imagine que je ressens quand même un truc, enfin... Oui, et visuellement tu vois quand même des flux arcaniques littéralement qui descendent des cristaux qui se trouvent au plafond de cet endroit, tu les vois descendre vers le cercle en tant que tel. D'accord, donc je vois des éclairs comme ça qui vont, ok, bon bah... C'est plus quelque chose de fluide que des éclairs. D'accord. Donc je vois ça, je suis en mode bah oui, 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 très bien, très bien. Et puis là, du coup, je regarde un peu Fénan en mode. Mais du coup, on est quand même censé galérer contre le Kalaktak. Malheureusement, oui, parce que comme je vous ai dit. Le Kalaktak ne peut pas être tué, et c'est ça le problème. Parce que sinon, oui, on aurait l'énergie de globalement désintégrer n'importe quoi avec tout ce qu'il y avait de contenu dans la tour. C'est ça d'ailleurs qui va alimenter les balistes. Là, je regarde Fénan, je fais... Oui, non, parce que... Vous avez tenté de lui balancer une montagne sur la gueule ? Non, parce que là, on n'est pas loin. On a essayé des choses qui s'en approchaient. Ah putain. Il y en a beaucoup des comme vous. Il y en avait quelques-uns. Vous vous donnez des cours ? J'aimerais. Bon, parfait. On envoie le machin dans je sais pas quel autre monde là, et vous m'apprenez à faire voler des tourelles et des machins comme ça là. Je sais pas pourquoi, ça pourrait être utile. Tu dois avoir un potentiel caché. Tu me vois en train de regarder et tout. Pour être un peu plus clair, Jérôme, voyez-vous. Cette tour, en fait, c'était une de ses fonctions premières, en fait, au moment où elle a été bâtie. Par son créateur, en fait, très clairement mentionné dans les archives de cet endroit, il y avait cette volonté de pouvoir déplacer l'endroit en cas d'urgence, en cas où il faille intervenir vraiment sur un lieu spécifique, déplacer la base d'opération. Il y a l'énergie pour la maintenir comme ça pendant un temps, pas éternellement. Et il y a l'énergie pour la transloquer d'un endroit à l'autre, mais de manière limitée. Autrement, cette énergie ne peut pas vraiment être utilisée à beaucoup d'autres choses en réalité. Elle a été stockée dans cet usage précis, et le portail qui nous permet de canaliser ça, littéralement, le cercle qui est devant vous, est créé de manière à ne pouvoir faire que cela, en fait. Oui, bah, c'est déjà pas mal, quand même. Clairement. Voyez-moi admiratif. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas vraiment s'en servir de manière offensive. Ah, excusez-moi. Permettez-moi de m'interposer. Je suis sûr et certain que vous attendez que les démons soient en dessous, vous arrêtez le processus, et là, vous avez un magnifique mortier. Ça fait combien de tonnes, mon tour pareil ? Perdre la tour serait en réalité une catastrophe. Oui, non, mais j'imagine. Je blague un peu quand même. Mais avouez que vous aviez un peu pensé, non ? Non ? En fait, voyez-vous, cette tour ne contient pas que les cristaux. Et je tremble à l'idée de ce qui pourrait se passer si jamais elle venait à tomber, tout simplement. Il y a bien des choses instables dans les sous-sols que je n'aurais pas envie de voir se libérer. Oh. Il y a une raison pour laquelle on ne dispose plus toutes les pièces dans cet endroit. Et on peut pas les libérer, genre, sur les démons ? Ce ne sont pas des choses, ce sont plutôt des flux instables. Et on va dire que potentiellement on pourrait raser une zone entière avec. Ce serait pas vraiment recommandable. Oui, bah écoutez... Puis là tu me voyais en train de compter sur mes doigts, je suis en mode... Oui, bah c'est juste là, allez, huitième truc qui peut raser toute une zone depuis que je traîne avec ces mages. Vous avez que ça, des sorts dévastateurs, ou vous avez aussi des trucs qui servent un peu ? Parce que franchement, on peut pas juste attendre que les démons soient là et raser la zone où les démons sont ? Ça me paraît être pas mal, non ? Les longs héritages et les pratiques magiques entraînent un lot d'événements comme celui-là qui... Bien,
on ne sait pas quoi en faire. Ce sont littéralement des déchets d'expérience qu'on n'a pas su traiter. Bah. Et les démons, ça en fait partie aussi ? Ils ne sont pas de notre sort. Enfin bon, j'imagine que je vais encore devoir compter que sur mes bonnes vieilles épées. Pas exactement. Et d'ailleurs, à ce sujet, là, Yamine, j'ai vraiment quelque chose pour vous. Oh. Quoi donc ? Mais de jalousie ? Pas pour flex sur ton bras manquant, hein, Féroc, mais... Et là, je te regarde, et là, je fais... Tu sais ce qu'il dit, mon bras manquant, là ? Tiens ! Pas de réplique, je vais juste te croiser les bras et te regarder avec un air de jalousie. Très bien. Je ne vais pas te faire de réplique, dans tous les cas, je serai... Oui, quoi ? Ok. Fénon sort d'une étagère et... proche. Une sorte de... C'est comme une sorte de bracelet, en réalité. Assez large, tout de même. C'est plus un brassard, en réalité, mais avec une zone plus épaisse, renforcée en métal rare. Je... Vous voyez ici, cette chose, en réalité. Laissez-moi voir, il regarde un peu ton bras. Ça pourrait aller. Ouais. Bon. Il sort une plaque de métal un peu étrange. Pas du métal rare, tu n'arrives pas à le déterminer, d'après ce que tu sais de la constitution de ton armure. Quelque chose de plus similaire à la dague épée de Sini. Et il le fixe au brassard. Ça forme un bouclier de taille assez moyenne, au final. Et tu le vois comme nimbé de cette même énergie bleutée, comme si elle surfactait l'intégralité du bouclier. Je vois. Alors, bien que ça a dû couper 5 fois entre temps, je pense avoir compris le truc. Donc j'ai reçu un bouclier magique. Wesh, qui est fixé sur un brassard. Voilà. Mais attends. Alors là, du coup, excusez-moi, petite question là encore. C'est-à-dire qu'il s'est ramené avec la plaque en ferraille, il l'a posé sur le brassard et ça s'est fixé ? Genre, c'est aimanté ? Il l'a encliqué, en fait. Il y a une découpe. Il l'a encliqué. Oh, je suis d'un déçu. Il l'a bloqué en place. Oh, je suis d'un déçu. Je voyais trop le bouclier de Captain America. Je te jure, je voyais trop la Yanine faire boum, puis le bouclier il part, il revient aimanté sur le truc, c'est trop stylé le mec, Captain la Yanine. Putain, tu m'as fait des fantasmes là, j'y ai cru. La Yanine, tu vas me faire un test d'observation. Eh bah écoute, la Yanine est aveuglée par son nouveau bouclier. C'est l'éclat bleu, ça m'a rappelé les papillons, là, comme ça. Tu restes quelque peu interdit, en fait, devant le bouclier. Tu comprends pas vraiment ce que c'est. Et devant ton incompréhension, Fénan, finalement, reprend la parole. Vous l'avez peut-être senti, ou peut-être pas, avoir votre tête un peu médusée. Mais cet artefact est connecté à l'énergie de cette tour. Est-ce que vous comprenez un peu ce que ça implique ? Bah, vu mon vin, non. La réponse la plus... Mais donc, regarde, de quel vin vous parlez ? Mais... le vin que j'ai bu avant, oui, le vin, le très bon vin. Non, oui, ouais. Et non, il ne doit jamais savoir. Bon. En fait, très simplement... Si jamais vous encaissez des coups avec ce bouclier, une partie du recul sera absorbée par l'énergie qui se trouve à l'intérieur de ce bâtiment. Et vous veniez pas de dire que la perte de la tour serait grave ? C'est une infime partie de la puissance qu'encaissait un coup. Ouais, mais...
aussi, mais... On va dire, je suis pas vraiment sûr de mériter ça, en fait. Là, moi, tu me vois pas... moi derrière bras croisés, bah tu lui dis juste merci. Il n'y a pas vraiment de question de mérite ou pas. Vous allez en avoir besoin. Oui, alors, et tu vois, là, par contre, HRP et Rock, j'ai dit merci au début de la phrase. Alors, écoute-moi, FDP, hein, parce que celui-là, il y manque pas. Je ne regarde pas, regarde. À cause du lag, t'as vu, j'ai deux bras. Hop, en deux doigts. Ah, mon mauvais. Pardon. Je te paierai pas, vu la taille, je ne pensais pas... C'était une assiette, je pensais que c'était une porte d'écurie. Pourquoi une porte d'écurie en métal, ce con, hein? Tu remarques que le bouclier est particulièrement léger, il partage des caractéristiques communes avec son armure. Je vois. Et d'une couleur un peu blanc nacré. Je voulais faire un jeu de mots sur blanc nacré, mais j'en ai pas trouvé, donc là j'ai un peu dégueu. D'où le blanc. Et Rock, c'est horrible, c'est la chute. Non, bah du coup, je regarde monsieur avec son beau bouclier, hein, et puis je regarde intensément Fénan en mode. Ensuite, prochain cadeau. Alors hein, moi j'ai quoi? Allez, c'est dingue, hein, il y a une deuxième personne qui a pas encore reçu de cadeau, hein, c'est vraiment bizarre. Père Fénan. Fénan, j'étais un enfant très sage. j'ai déglingué des trucs, hein, je suis proche. J'ai tué plein de golems, hein, pendant que tu faisais le caca au milieu de la piscine là. Hein, allez, clin d'œil, vite fait là. Hein, pas une épée, parce que c'est à deux, ça sert à rien, mais. Et c'est ainsi que fut créé le mythe du père Fénan, qui laissait uniquement aux enfants qui s'en prenaient plein la gueule des boucliers, et aux autres, il leur faisait un doigt d'honneur avant de s'en aller. Rock. C'est ça. Non, là, il regarde dans ma direction, et il fait « Pousse-toi, Rock, c'est à Sidi que je veux parler. Merde, culé, va !» Et Rock, venez avec moi. Ouais. C'est à côté de la Yanine, il lui fait un Et oui, je tire la langue à la Yanine. Et là, Yanine, je vais te demander de rejoindre le salon de Kézak. Ah, tu expulses la Yanine? Ouais. Ah, très bien. Voilà. Ouais, du coup, là, tu me vois en train de suivre Fénan et faire. Et moi, du coup, ce sera quoi? Une dague, une épée supplémentaire, peut-être une nouvelle armure? Ce serait bien une nouvelle armure, parce que je manque un peu de trucs. Ou des bottes qui permettraient d'absorber les chutes. Ce serait trop bien, ça. Écoutez. La raison pour laquelle je vous ai pas passé le bouclier, c'est que, bah, tout simplement, je suppose que vous préférez rester sur de l'agilité, du moins c'est ce que j'ai vu de votre style de combat. Après, ah oui, complète. Si vous le souhaitez, je peux vous passer également un autre bouclier, on en a encore quelques-uns dans l'armurerie. Mais je pense que vous préférez avoir la pleine possession de vos mouvements, c'est pour ça que je n'en ai pas donné de base. Vous avez bien vu, vous. Par contre, petite parenthèse, si vous en avez quand même un en rab pour Sini, non pas que ça m'inquiète, mais j'aimerais bien qu'elle puisse se protéger si jamais elle prend un coup. Pour Sini, j'ai un autre plan pour le coup. Mais parlons un peu de justement ce plan. Bon. J'ai passé le bouclier à la Yanine, je ne veux pas l'encombrer spécialement des détails. De toute façon, je ferai un peu plus d'explications au sujet de tout ce plan dans les grandes lignes. Mais je veux vous toucher quelques points avec vous pour une raison bien particulière, celle que vous avez été dans le bassin. Ah oui, c'est vrai que j'ai mis le pied dedans. Bon. Vous comme moi, nous allons avoir à affronter plus que la Kalaktak demain. Oh merde, comment ça? Un pressentiment. Quelque chose me dit que, de par cette connexion que j'ai établie là, ce pacte contre nature, je sens que Obliterra ne va pas être en reste. C'est bien avec Obliterra qu'on a fait un pacte, enfin que si on marche dans le bassin, on est lié, c'est ça? Oui. Et donc du coup, comme j'ai fait un pas en arrière et que j'ai été mouillé 30 secondes, je suis connecté. Quelque chose s'est accroché à vous, clairement. Ah, oh, merde. Quelque chose qui va vouloir vous corrompre. Oui, bah,
Dites-moi au moins que ça va me filer un peu de puissance. Je n'en sais rien. Je n'ai pas assez de connaissances sur le sujet. Mais toujours est-il que ce que je veux, c'est que vous fassiez réellement attention à vos actions. Plus que tout autre. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Bon, maintenant, en ce qui concerne le plan en tant que tel, parce que je suppose que vous voulez l'entendre et le comprendre un peu. Alors, l'entendre, oui, le comprendre, ça, c'est pas gagné. Après, si vous avez une partie où vous me filez un équipement supplémentaire, moi, ça me va. Cela fait partie, effectivement. Yes. L'idée, ça va être que vous et la Yanine, vous survivez, littéralement. C'est pas gagné, ça. Vous allez devoir distraire le Kalaktak. Ah ! Là, même la Yanine l'entendra, celui-là, je pense. Oui, effectivement. Très bien. Bon, au moins, ça... Je dirais que ça résout un peu le problème de mes actions, parce que j'avais dans l'idée de me dire que si j'allais bien dans la mêlée au milieu des démons, si jamais j'avais un souci de type je deviens incontrôlable ou je me fais posséder, bah au moins le problème sera vite réglé si je me fais bouffer. Mais du coup, vous avez décidé de m'y envoyer, ok, pas de souci, très bien. Les rapports sont formels, il n'y a aucun démon qui s'approche du Kalaktak. Ce sera nous et lui. Bon, enfin, mes épées sont pas taillées pour découper dans ce genre de truc, hein. Justement. Et c'est pour ça que j'ai dit que votre but était de le distraire. Et c'est pour ça que j'ai dit éventuellement qu'on vous passera un autre équipement. Je ferai de même à la Yanine aussi, probablement. Nous avons des armes qui sont certes un peu expérimentales, dirons-nous, mais qui peuvent percer les pires blindages. Eh ben, je sais pas quel genre de baliste vous avez, mais ça a du costaud. Oui. Plus précisément, ce seront des masses que vous aurez à manier. Bah, c'est bourrin, une masse. Elles sont légères, ne vous en faites pas. Elles pas ne pèseront pas plus que vos épées. Je peux manier à peu près toutes les armes du monde, donc c'est pas le souci. Du coup, le plan, courir, mettre des coups de masse. C'est ça. Pour globalement, je vais pas dire le distraire, mais au moins le maintenir un peu. Pendant que c'est la partie du plan vis-à-vis de laquelle je suis le moins à l'aise, je vais devoir exploiter ce nouveau pouvoir pour vraiment endommager son armure. Parce que à ce stade, on ne peut pas parler de peau, on peut parler uniquement d'armure. Il va falloir l'endommager pour pouvoir mettre en contact le morceau de cristal que vous avez ramené des cavernes de Gozan. Ça, c'était le plan initial. Maintenant, on a une nouvelle composante à ajouter. Les informations que vous avez récupérées grâce au livre. Et là, ça va être à Kezak de faire son travail. Va falloir qu'il arrive à ouvrir un portail suffisamment grand, une fois qu'on l'aura affaibli, pour l'envoyer quelque part. Ok. Moi, il a une tourne autour, on l'affaiblit, on lui tape dans les pattes histoire qu'il en ait un peu marre. Vous, vous lui pulvérisez le bide, on lui cale un cristal et on téléporte le tout hyper loin. Parce que là, ça paraît simple. Ça paraît. C'est dans la réalisation que ça va être plus complexe et qu'il va y avoir beaucoup d'imprévus et d'impondérables. Qu'on va devoir affronter. J'imagine, oui. Beaucoup. Mais dites-moi. Ce serait pas plus intéressant que ce soit vous qui fassiez des portails, parce que si vous êtes lié, enfin, permettez-moi d'émettre une hypothèse, mais si vous êtes lié à Oblitera, enfin, indirectement avec tout ce délire de la mare et tout ça, là, y a pas moyen de téléporter directement le Kalaktak sur Oblitera? Enfin, ça ferait deux gros machins qui se tapent sur la gueule. Honnêtement, pour avoir déjà tenté chose similaire de par le passé avec l'appui de cette pauvre école, je dois dire que je ne pense pas que ce soit possible. Évidemment, ce serait trop facile. Si Aikal elle-même a eu la nécessité d'ouvrir un portail pour le précipiter dedans alors qu'il n'avait même pas autant de puissance qu'actuellement,
Je n'ose pas imaginer ce qu'on pourrait faire simplement. Je pense que c'est la meilleure option. Et du coup, vous l'avez déjà affronté combien ? Deux fois ? Oui. Il a gagné en puissance depuis ou ? Énormément. Je l'ai jamais vu aussi. Ah. D'accord, c'est-à-dire que la première fois, vous avez affronté un Kalaktak miniature. En quelque sorte. Et vous avez pas réussi à l'éclater. Non. On l'a blessé. Et donc là... On l'a envoyé dans un gouffre. Et on ne l'a pas tué. Et donc vous espérez que là, nous, maintenant, donc moi, un espèce d'hybride à moitié estropié, l'autre espèce de zombie, un vieillard qui fait de la glace, une gamine à plumes... Une mâche qui fait voler des tours et une autre gamine derrière là, et vous, et des vieux, avec des piques, vous pensez vraiment qu'on a une chance? Que voulez-vous faire d'autre? Je sais pas, c'est vous le mâche, trouvez des idées. Après, ce serait que moi je dirais on tape dessus jusqu'à ce qu'il soit en morceaux, mais bon, apparemment c'est pas une option. N'a pas l'air, effectivement. Quant à mes raisons, le pourquoi il faut le combattre, tout cela, c'est tout simplement pour ces mêmes personnes. Si je vous ai déposé à l'entrée de cette cité, ce n'est pas par pur hasard. J'aurais pu vous emmener directement à Savion. Mais je voulais que vous traversiez cette cité. Je savais ce que vous alliez rencontrer. Et je le vois dans vos yeux. Franchement, Fénan, c'est maintenant que vous questionnez ma motivation? Je ne les questionne pas. Ah bah encore heureux. Je vous signale que moi, à la base, on m'avait juste appelé pour taper sur des démons. C'est-à-dire que ce que j'ai fait à peu près tout le temps, hein, on m'a juste demandé de venir taper sur des démons. Et je me suis retrouvé embarqué à faire 5 fois le tour de la Terre, toute chaque fois le tour de tout le continent, là, tout ça pour finir dans une tour volante à discuter de comment on va annihiler la plus grande menace que tous les êtres vivants aient jamais connue. Comprenez que je m'y attendais pas des masses, quoi. Je le comprends. Vous vous êtes trouvés propulsés, tous, votre groupe, d'un état où vous étiez de simples soldats, à un état où vous êtes devenu limite le plus grand espoir de survie de cette terre. Je comprends que ce soit perturbant. Eh bah putain, ils auraient pas pu choisir mieux comme grand espoir. Enfin bon. Fénan. De toute façon, je vous suivrai, peu importe ce que vous nous direz de faire. S'il faut que je cours à côté de démons titanesques millénaires et entités destructrices, eh ben, je courrai autant qu'il faut, y a pas de souci. De toute façon, j'ai qu'un seul but dans la vie, c'est de réussir à buter un jour un de ces enfoirés de Kiron. Sinon, après, pour le reste, je vous suis où vous voulez. Très bien. Bah pour l'instant, déjà, vous allez me suivre à l'armure. Et ouais, c'est parti. Et du coup, vu qu'on risque de courir longtemps, vous avez pas des bottes qui nous permettraient de courir très longtemps, genre des trucs allégés ou... Je suis pas sûr d'avoir ça. Ce que je peux avoir, c'est des armures peut-être d'un peu meilleure qualité que ce que vous avez. Bien que je n'en sois pas sûr. J'avoue que l'armurerie n'est pas l'endroit où je passe le plus de temps. Oui, j'imagine. Puis bon, mon armure, c'est mon armure. Je l'ai récupérée sur à peu près tout ce que je croisais, ça va. Je me suis démerdé, quoi. Si on retrouve une cuirasse assez légère et suffisamment renforcée à un certain endroit, ça pourra faire une meilleure protection. Et sans entraver votre mouvement. Même peut-être en le rendant un peu plus souple qu'actuellement, au vu des plaques hétéroclites que vous avez. On n'est pas tous des grands mages de la cour. Oh. C'est pas moi le grand mage de la cour, il est dans votre groupe. Attendez que le grand mage de la cour essaie déjà de sortir de la cuite qu'il est en train de se prendre, et on verra demain, tiens. Il a un léger sourire à ses mots. Sourire qu'il n'y a pas eu sur son visage depuis un bout de temps, déjà. Si j'arrive à faire rire Fénan, c'est tant mieux. D'ailleurs, du coup, j'imagine qu'on va passer à côté de Luna. Ouais. En passant à côté, du coup, je vais juste lui glisser deux mots vite fait, si c'est possible. Oui, bien sûr. Du coup, je passe à côté, je fais « Salut !» Le bras que tu m'as fait est vraiment génial.
Franchement, je tiens à te dire, t'as fait du super bon boulot. Content qu'il te plaise. Après, je sais pas, tu le trouves un peu changé ou... Et je lui montre vraiment, genre, fais l'experte, quoi. Parce que je sais pas si je l'ai abîmé dans les combats. Attention, déplace un petit peu, ce qui te perturbe un petit peu, parce que t'as pas spécialement l'habitude qu'on manipule ton bras, et encore moins ce bras-là. C'est sûr. Non, il a l'air intact. Globalement. Ah, nickel. Quelques petites éraflures, mais rien de problématique. Parce que j'ai eu à encaisser quelques coups quand on a combattu les grosses créatures de tarés dans la caverne, mais... Je sais pas, j'avais trop peur qu'il s'abîme, mais comme je sais pas trop... Mon travail est relativement solide. Ah bah ça, c'est moins qu'on puisse dire. Et je suis en train de repenser, mais du coup... dans mes petits souvenirs de Herok de la saison 2, là... t'avais pas dit qu'il y avait des trucs qui avaient grossi sur mon bras au moment où j'étais rentré dans le lac ou un truc comme ça? En fait, non, c'est aussi un peu ça que je venais chercher chez elle, donc... Ou alors c'était une vision... Et c'était d'accord. Un rêve, le fait que ce soit tout ton bras qui commence à grossir et qui commence à remonter. D'accord, c'est ça. C'est parce qu'il y a eu tellement de machins avec ce bras que c'est pour ça que aussi... En fait, c'est plus dans cette démarche-là que Herok vient s'inquiéter. Par contre, les cristaux qui étaient bleutés ont pris une légère teinte rougeâtre. Ok. J'imagine que ça doit être rouge, le dernier mot, mais... Parce que t'as dit une légère teinte et ensuite il n'y a plus rien vu. Donc rougeâtre. Ça, bon, ça, rougeâtre, ouais, c'est ça. Ok. Bon, après ça, elle le voit ou pas du coup, Luna? Ouais, elle le voit. Oui, oui, elle le voit. Et ça l'inquiète pas plus que ça? Ça l'interloque visiblement quelque peu, mais ça n'a pas l'air. Elle ne pose pas de questions, en tout cas. Ok. Bon. Tu dis, bon, bah écoute, si jamais je reprends des coups, je sais qui venir voir. Et puis du coup, bah, je vais dire, allez, nous on doit aller se préparer et puis on s'en verra plus tard. Tu vois Herok repasser à côté de toi ainsi que Fénon. Dites, Layanin, une nouvelle arme, oui. Ça vous dirait? J'ai déjà reçu un bouclier, quoi, c'est... Oh, ne vous en faites pas. Le mieux, nous sommes tous équipés. Plus de chances on a de survivre. Et si jamais vous sentez la moindre dette envers la tour, vous n'aurez qu'à les rendre après. Bon, on est parti. Vous descendez les escaliers et effectivement vous vous trouviez dans un des étages supérieurs de la tour au vu du nombre de marches que vous descendez. Vous descendez l'équivalent de 7 étages. Vous passez d'ailleurs devant la salle que vous connaissiez bien. Et vous arrivez dans une pièce un peu mise à l'écart au final d'un des étages. Cet étage qui d'ailleurs en fait présente un couloir central qui mène à plusieurs pièces qui sont placées au final dans le pourtour de la zone. Vous entrez dans une de ces petites pièces où un amoncellement d'armes, de boucliers, de tenues... là, à moitié dans la poussière. Vous sentez certains objets d'une certaine puissance, notamment toi, Layanin, sans les flux qui sont à l'œuvre. Et d'ailleurs, Layanin, tu te sens même un petit peu, je vais pas dire perturbé, déboussolé, mais limite un petit mal peu à l'aise, chancelant vis-à-vis de toute l'énergie qui est dégagée dans cette tour, tout ce qui est brassé, tout ce qui remonte depuis tous les cristaux de tous les étages vers le haut et qui redescend ensuite par le centre vers le bas. C'est vertigineux, quoi. Oui, très clairement. Fénon vous amène dans une zone qui est au fond de cet endroit. Vous passez une seconde porte, une porte qui est maintenue par 5 verrous, rien de moins que cela, qu'il semble activer en passant la main devant. La porte s'ouvre avec un long craquement. A du mal à pivoter sur ses gonds, il la tire avec force et elle finit par venir. Ça fait longtemps que ça n'a pas été ouvert, très clairement. À l'intérieur, des râteliers beaucoup plus organisés, mais beaucoup plus poussiéreux. Beaucoup moins d'armes et beaucoup moins d'armure, mais de bien meilleures factures.
Il vous amène vers un râtelier assez spécifique. Il y a 9 emplacements sur ce râtelier et seulement 5 sont occupés. Ils sont occupés par des masses à ailettes, d'une taille assez imposante tout de même pour ce genre d'armes. Toutefois manipulable à une main, voire une main et demie. Mais là où vous vous attendez en fait à ce que ce soit tout simplement un assemblage de métal, il y a des cristaux d'une nature visiblement un peu similaire à ceux qui sont dans la tour, qui sont directement enchâssés dans le manche déjà, d'une part, et qui forment le haut de la masse ainsi que les ailettes. Comme si c'était sculpté, comme un cristal qu'un artisan aurait taillé pour donner cette forme-là. Toutefois, à l'inverse d'un cristal que vous vous diriez que vous briseriez au moindre coup, cela vous donne plus l'impression d'une solidité d'un diamant, si on devait faire une échelle de comparaison. Résistance ou dureté d'un diamant ? Dureté, pas résistance. Parce que pour le coup, la résistance, ouais. Bon, voilà. Voilà. Non, c'est pour ça, tu vois, j'allais... Oui, je comprends. Bon, étant donné que tu fais de la géologie, mais... En gros, équivalence de la dureté côté résistance, voilà. Amen. Mindfuck. Voilà. On ne plus du tout Yoka. Oh non, mais moi tout va bien, j'essaie de comprendre ce que c'est que la dureté de la résistance d'un diamant. Et... Fénan te désigne une étagère où il y a des armures d'assez bonne facture. C'est du coup, cool. Je chope une massue, je l'accroche au fourreau et je vais directement vers les armures. Je commence à regarder si on a une au qui me correspondrait niveau taille. Attrape la masse. Un flux d'énergie de parcours très violent. Si bien que tu manques de la lâcher. Bah du coup, je pensais carrément je le jeter un jet pour savoir si je l'ai lâché ou pas, mais... Presque. T'es sur le point de la lâcher, mais tu ne la lâches pas. Ah, du coup, je... Wow. C'est balèze, votre truc. Ces armes-là... n'ont pas été manipulées depuis... très longtemps. Et il y a une raison. Je vous demanderai de vous en servir qu'en cas d'extrême urgence. Pourrais nous faire une petite définition de extrême urgence ? Non, parce que moi, je les trouve cool. Situation de mort imminente ou nécessité impérieuse de blesser le Kalaktak pour y insérer le cristal en question. Si jamais tout rate. Ah. Faut pas juste taper dessus comme on veut. Vous pouvez, mais n'espérez pas avoir une trop grande espérance de vie. Ah. Justement, je suis en train de penser, c'est le genre de truc à utilisation unique, genre on frappe un grand coup, ça nous pète le bras et ça consomme toute l'énergie de l'arme, ou est-ce qu'on a le droit à plusieurs essais ? Ouf. Vous savez, je n'ai pas beaucoup plus d'informations que vous sur ces armes, mis à part ce que je viens de vous communiquer. Par contre, j'ai ici, une pointe à un autre atelier, des armes qui seront un peu meilleures que les vôtres, peut-être, et que je pense que vous pouvez utiliser sans risque. Attendez, vous voulez remplacer mes épées, là ? Je pense. C'est libre à vous. Vous l'avez dit, ouais. Ouais, et ben, on remplacera pas mes épées. Très bien. Après, à la limite, si j'ai de la place, mais bon, je crois que ça va finir par être un peu encombrant entre la massue et les doubles lames. Non, je vais me contenter des armures, et au pire, si vos épées sont si formidables que ça, peut-être en proposer une à Signy, ou à n'importe qui d'autre qui aura envie de taper sur des monstres. Je sais pas, Léanine, ta bonne vieille machine à deux mains, là... Il va bien falloir que je change si je veux manipuler le bouclier. Oui, j'avoue. Bah, remarque... Il a pas l'air très très gros le bouclier, hein. Je pense que tu peux encore manier à deux mains avec. Ça risque plus de gêner mes mouvements de bras. Ouais, c'est pas faux. Enfin bon,
Il me semble que t'es assez résistant pour la garder dans le dos quand même. On sait jamais. Je suis d'autant qu'il est pas particulièrement lourde vu que c'est du métal rare, mais. Ah, c'est pas faux. Après, j'ai envie de dire, de toute façon, si on a besoin d'armes, au pire, je sais pas, on en posera par terre, mais. Enfin bon, bref. Fénan sort d'un fourreau une arme qui est assez imposante pour une épée à une main et demie, mais qui reste très clairement un peu plus grande tout de même. Qui reste très clairement maniable pour toi malgré la présence du bouclier. Celle-ci semble faite du même matériau que le bouclier, si ce n'est qu'elle a presque une lueur à ce stade. Le blanc est tellement nacré qu'il en est limite luminescent. Dis donc, je la prends, je l'inspecte un peu, tu sais, je fais quelques moulets, puis je me retourne vers Rock, je fais. L'armure, ça pue avec les armes. Mais c'est vraiment le ton moqueur, quoi. T'as dit quoi? Mon armure, ça pue avec les armes? C'est ça, maintenant, il va falloir que je change d'armure, ça pue avec les armes. La lame. Et là, je regarde, je fais, première arrière, littéralement. Je commence à prendre les armures. Parfaitement équilibrée. T'as l'impression que tu n'as jamais senti une arme aussi équilibrée. Et. En t'y penchant un peu plus près, tu vois tout un tas de petites marbrures qui forment limite des dessins sur la lame. Et donc, je fais. Je sais que tu veux pas remplacer tes épées, mais fais quelques moulinets, tu verras. Envoie. En gros, je la prends par là, mais tu sais, je te la présente garde en premier que tu puisses la prendre. J'ai envie de dire, tu pouvais me l'acheter, hein. Je l'aurais récupéré en l'air. Bon, moi, je ne jette pas ce genre de choses, hein. Attention. Bon, ok, d'accord. Attends. Bon, je la prends. Oui, non, ouais, tu sais, le vase en porcelaine Louis XVI, là, ouais, tu peux me le jeter, hein, t'en fais pas. Non, mais je la prends, je me recule d'une dizaine de pas, et puis, je sais pas, tel un Jedi dans Star Wars, j'imagine. Je fais des moulinets de bâtard avec. Ah oui, chose intéressante également. Fénan sort une espèce de plaque un peu ébréchée de métal rare. Il la pose au sol. Frappez cette plaque avec l'arme. Ok, à vos ordres. Ous ! Un grand coup d'épée dans la tronche. La plaque se coupe en deux. Ah ! c'est, au passage, c'est vraiment ce que fait la Yanine, hein. c'est pas HRP, c'est ah. Du coup, je relève l'épée, je fais. Vous allez me faire hésiter. Celle-là, elle est à moi et je la reprends. Ouais, tiens. On ne sait pas de quel matériau elles sont faites. Là, du coup, mais... je sors une de mes épées, je fais, oh, je suis sûr que je peux faire pareil. Tu fais une entaille dedans. Mais tu ne la coupes pas. Vous fouillez un petit peu l'endroit. Vous recherchez des pièces d'armure et tout ça. Pendant ce temps-là, je vais un peu passer à Kezak, qui est toujours en recherche de sa boisson. Ouais, je suis juste parti à la recherche de la taverne. Nous avons déjà fait un. Ouais, bah. Tu retrouves sans trop de difficulté le bâtiment. Toutefois. Tu ne retrouves pas la personne qui est à l'intérieur. Même si des vivres, des jarres sont restés, visiblement, il n'y a plus personne dans cet endroit. Ok. Je m'y connais pas trop en... Je suppose que je m'y connais pas. Un truc dans le genre. Peut-être qu'il y a un bouquin. Y a pas un livre de recettes ou un truc comme ça. Si, très clairement basique, mais présent. Ok, bon, je vais essayer de voir si je trouve un truc qui peut faire office histoire de me requinquer. Tu trouves en gros une recette de mélange de plantes, littéralement. C'est limite une recette de tisane, mais vraiment très forte pour le coup. D'accord. Tu te dis, ça peut te maintenir éveillé pendant un bon bout de temps. Plus tu trouves également, en fait, en cherchant les différents composants dont tu as besoin pour réaliser cette recette, qui d'ailleurs fait très amusant
contient une sorte de drogue, d'ailleurs. Tu trouves un repas qui est enfermé dans une espèce de soupière, au final, une sorte de soupière en grès, qui a littéralement été abandonné. Voilà. Tu en trouves plusieurs, d'ailleurs, qui sont assez desséchés. Et en fait, tu te fais la remarque que c'est tout simplement, il te suffit de remettre de l'eau et de les faire réchauffer un petit peu pour qu'ils soient mangeables, en fait. C'est plus ou moins des plats préparés séchés. D'accord. Je sais pas si tu m'entends. Oui. Ok. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre avec moi et je les emmènerai là-bas si jamais. Très bien. Étant donné que ce n'est pas très lourd en soi, étant donné que c'est quelque chose de desséché, tu vas pouvoir en prendre plusieurs, c'est pas du tout un problème. Oh, c'est ça. Tu manges un petit peu directement sur place ou pas du coup? Bah non, je vais juste préparer ma tisane, la boire et. Enfin, tu sais, je la buvrai sur la. Ouais. Donc, je vais juste préparer ça et puis. Ce que tu as remarqué en allant vers la sorte de taverne au final, hein, c'est des soldats, que tu avais déjà vus pour être des gardes directement de Savion, en train de trimballer les fameuses balistes dont on vous avait parlé un petit peu plus tôt. Ah oui, d'accord. Celles-ci sont assez étranges d'ailleurs quand tu les regardes de plus près. Elles ont en fait une sorte de double arc, donc ça forme une espèce de croix au final, avec un prolongement tout simplement à l'arrière qui contient le carreau de la baliste en tant que tel. Ouais. Tube du coup qui est fendu de 4 fentes pour laisser passer les deux cordes des deux arcs en tant que tel. D'accord. Oui, d'accord. C'est littéralement en fait une double baliste, hein, voilà. Ouais, c'est ça. Et tu regardes quand même un petit peu en passant la taille, le format de cette baliste. Tu vois quand même que ça fait presque une main et demie de diamètre. Ah oui, le carreau. Plutôt le fût dans lequel on peut mettre le carreau. Quant à la longueur, ça fait environ 2 à 3 pas. Ah oui, c'est quand même du gros calibre contre ça, quoi. Tu vois d'ailleurs ensuite quelques autres soldats en train de transporter des carreaux dans des charrettes. En fait, ils se mettent littéralement à deux avec des charrettes à 4 poignées. Je pense bien, ouais. Et il y a à chaque fois une dizaine de carreaux qui sont placés sur ces chariots. Ce sont littéralement de longs tubes qui te semblent en métaux. Et que tu vois en fait en métaux debout. Et en une espèce de, pas de verre, mais quelque chose de translucide au milieu. Comme ouais. Si on avait taillé de la gemme en fait et qu'il y avait eu seulement deux protections de métaux qui avaient été mis à chaque bout. Ouais. Et dedans, tu vois des flux d'énergie en train de tourbillonner, d'avant en arrière. Tu cherches un petit peu à comprendre quand même comment ça marche. Et une chose que tu te dis assez rapidement, c'est que la gemme ne te semble pas de la gemme rare, mais plus de la gemme commune. Et ce que tu sais de la gemme commune, c'est qu'elle est quand même assez sensible aux impacts. Donc ce que tu arrives à en déterminer, c'est que très clairement, le but, c'est littéralement de l'envoyer, ce projectile, qu'il soit possiblement, que sa magie soit possiblement amplifiée pendant le vol, et qu'au moment où il tombe, il explose à l'endroit où il arrive, tout simplement. Okay, je vois. Les carreaux font 3 pas de long, c'est-à-dire 3 mètres.
sont des tubes de 3 mètres d'une main de large. D'accord. Tu regardes un petit peu ça. D'ailleurs, pendant que tu ressors de la taverne, tu vois d'autres balistes en train de passer, hein, toujours maintenus par des gardes qui ont du mal à les déplacer. Hein, on va pas se mentir. C'est très lourd. Oui. Tu le vois. Et toutefois, tu les vois assez déterminés à le faire. Peut-être que le fait que ces choses soient si imposantes les rassure quelque peu vis-à-vis de leur chance pour la suite. C'est ça, pas en limite peu. Et je suppose que tu vas vers un endroit pour attendre Fénan, possiblement. Et en chemin, tu remarques un ou deux regards assez, je vais pas dire admiratif, mais tu sens un respect envers ta personne. De la part de deux, trois vieillards qui sont là et qui sont en train d'empaqueter des affaires. Peut-être qu'ils te connaissent, au moins de visu, mais ils ne cherchent pas à t'adresser la parole spécialement. Ils t'adressent juste un petit signe de tête, tandis que tu passes. Ok. Et B. Tu te déplaces donc vers la tour, tu retraverses un petit peu toutes ces rues que vous aviez traversées précédemment. Et là, pour le coup, la nuit est clairement tombée. Est-ce qu'il y a autre chose que tu fais, que tu penses? Pas vraiment. J'espère que Roderick est pas resté. Je lui avais dit de se barrer si ça partait en cacahuète. Donc. Pour le moment, en tout cas, tu ne l'as pas vu. Donc, tu ne saurais dire s'il est là ou s'il a suivi ton conseil. Pour l'instant, du moment que je le vois pas, je me dis que c'est une bonne nouvelle. Tandis que tu es en train de contempler l'étendue des plaines devant toi, à te demander comment est-ce que vous allez affronter une menace qui, bien qu'elle soit distante, soit déjà visible, tu te fais légèrement surprendre par l'arrivée de Fénan, qui apparaît et te fait un petit signe de tête. On y va ? Vous vous retrouvez tous dans l'armurerie au final, parce que Fénan s'est éclipsé pendant un instant afin d'aller chercher notre ami ici présent maintenant, du coup, Kézak. Coucou. Pendant ce temps-là, Erok, tu as un petit peu fouillé les râteliers d'armure. Tu as trouvé quelques pièces d'armure qui pourraient remplacer de vieilles pièces que tu avais récupérées, certaines sur des cadavres, certaines à des marchands, et d'autres encore dont tu ne te souviens même plus des origines. C'est le bordel, quoi. Voilà. Tu arrives à retrouver les... Enfin, qu'est-ce que je raconte ? Tu arrives à, du coup, te faire une armure qui, d'un état hétéroclite, passe à un état clairement correct, qui t'empêche moins de mouvement et qui semble te protéger un peu plus efficacement. Certaines des pièces d'armure sont d'ailleurs renforcées par de petites bandes de métal rare, ce qui est toujours appréciable, très clairement. Ok. Quant à toi, Layanine, je ne sais pas si tu as cherché un petit peu plus une armure. Moi, je jetais un petit coup d'œil comme ça sur au cas où que je tombe vraiment sur un truc, mais complètement métal rare, quoi. Oui. Ce que tu trouves tout de même, c'est quelques pièces en métal rare, même s'il n'y a pas une armure complète, qui pourraient remplacer certaines de tes pièces manquantes.
À ce moment, si je les prends, bon, quitte à ce que ça me donne l'air d'un gland, je m'en fous un peu, quoi. T'as un peu de difficulté à les réajuster avec les petites lanières, mais tu y arrives au bout d'un petit temps, finalement. Signé, quant à elle, recherche un petit peu également sous la supervision, de Fénan. Et il finit par se trouver une arme que vous ne lui avez jamais vu manier, un arc. Pourquoi pas ? Le problème, c'est que Fritz, tu me fais le bullshit qu'elle arrive à tirer tout en volant, je vais être très trigger. C'est une Valkyrie. Luna qui vous a rejoint l'emmène d'ailleurs un petit peu à part et lui montre une cible tandis que vous restez Erok, Layanin, Kezak et Fénan tous les quatre, ensemble et au regard de Fénan une discussion qui doit arriver. Va arriver. Est-ce que quelqu'un dit quelque chose ? Ou c'était à jamais ? Pas vraiment. Vous vous retrouvez donc face, comme je vous l'ai décrit à Fernand, qui semble hésiter à engager la conversation. Tandis que vous êtes en train toujours de rechercher des petites pièces d'équipement qui pourraient. Aider tout simplement. Bon, allez, venons-en au plan. Bon, j'en ai un peu parlé avec Erok tout à l'heure, et très clairement, le plan que je vais vous proposer ne va peut-être pas vous plaire. Si vous avez la moindre suggestion à faire, sachez que je suis tout oui. Maintenant, bon, comme vous le savez, comme vous l'avez vu, sous ce bassin là dans lequel je suis allé, ce rituel, voilà, m'a donné quelques pouvoirs. De ce que j'ai pu un peu tenter, enfin, rapidement, je pourrais m'en servir pour emmagasiner une énorme quantité d'énergie. Il l'a lancé sur le Kalaktak pour le blesser. De ça, okay. Deux choses à faire. Une première, ça va être de l'affaiblir. Parce que si on a réussi déjà à le renvoyer de ce lieu, bien c'était lorsqu'il était beaucoup plus faible que maintenant. Fort heureusement, on a récupéré par le passé. Enfin, bien prétentieux, vous avez récupéré par le passé un éclat du cœur d'une créature de l'éther. Et je n'arrive pas à croire que je dis ces mots. Et bien écoutez, visiblement, alors croyez-le. Visiblement, ça peut nous permettre d'absorber une partie de l'énergie. Étant donné que ça a l'air d'être un conteneur assez puissant. Maintenant, ce qu'on va devoir faire du coup, c'est-à-dire mettre en contact ceci avec le Kalaktak directement dans une plaie béante. Afin ensuite de le propulser dans un portail qu'il va falloir ouvrir grâce au livre qu'on a récupéré dans la bibliothèque notamment. Pour qu'on n'ait plus jamais à faire face à cette horreur. Ouais. Original quoi. J'ose pas imaginer les conséquences si le moindre chose dans la ligne foire. Mais en même temps, dans ce qu'on a enchaîné, de toute façon, on n'a pas vraiment d'autre choix en termes de plan, je suppose. J'ai tourné plus intelligent et tête. C'est bien ce que je me disais. J'en ai discuté rapidement avec Lanalia, elle non plus ne voit pas spécialement d'autres idées, même si elle n'est pas clairement aussi impliquée que vous qui avez fait la plupart des démarches, en partie avec moi, et
parti seul. Donc si vous avez la moindre idée, je suis preneur. J'aimerais autant avoir un autre plan qui soit bien mieux. Ouais, ben clairement moi j'en ai pas, donc on va se contenter de taper au maximum contre l'armure de ce machin, lui enfoncer le cristal dans le cœur, et on va le dégager le plus loin qu'on peut. À ce moment-ci, on peut toujours récupérer, enfin, si t'en avais pas déjà récupéré une, Eroc. Ça peut toujours servir au cas où que le plan envoyer le sort sur puisse en rate. De quoi? Là, c'est en cristal, là, J'ai mes deux épées et une masse. Que si je me la garde dans le dos, en théorie, ça va. Je peux récupérer la masse. Bah, t'en as une aussi. J'ai pas spécifié que j'en avais pris une, mais. Il y en a assez pour plusieurs, hein, donc tu peux en prendre une, je peux en prendre une. Est-ce que l'on peut considérer, Siegfried, que j'en avais pris une, bien que je ne l'avais pas spécifié? Tu peux toujours la prendre étant donné que vous êtes toujours dans l'armurerie alors que vous êtes en train de discuter. Ça, que le râtelier est juste derrière vous d'ailleurs. Et il en reste 4 dessus. Bon. Ça, après, c'est ok. Pour ça rate. Fénan. J'ai une petite suggestion quand même, on sait jamais, hein, mais. Les massues de la mort là, si elles sont vraiment très très puissantes. On devrait peut-être les. J'aime pas trop dire ça parce que c'est vos artefacts et vous y tenez peut-être, mais les sortir de la tour pour les garder pas loin au cas où je sais pas, celle qu'on a sur nous décide de s'envoler de notre main et qu'on n'a plus accès. Si on peut revenir se recharger pour remettre un grand coup. On peut déjà construire vos grands coups en l'occurrence de ce qu'on nous a raconté, mais. Moi, en attendant, si à un moment quelconque, je dois en prendre une dans chaque main et frapper deux coups en même temps, je le ferai, sans hésiter. Il y a un moment, c'est notre seule occasion de l'avoir, alors. Autant y aller, quoi. Très bien, on fera ça. Pareil pour vos boucliers, je sais pas qui prendra part à la bataille, mais. Cet avion sera peut-être content d'avoir de quoi se protéger s'il décide d'aller sur le front aussi. Et je pense que ni vous ni nous pourrons réussir à le retenir s'il décide d'y aller. Bon. Oui, même si je préfère qu'il n'en fasse rien. Pareil. Enfin bon, connaissez les guerriers, hein, tant qu'on est parti. Oui, vous êtes difficile à résumer. Exactement, un peu comme quand les mages ont décidé que leur sort allait servir à quelque chose. Mais, pardon, c'était un petit clin d'œil à... C'est pas Kazak. Ouais. Mais... C'est genre Kazak qui était tranquillement en train de rêvasser comme ça et puis d'un coup on lui envoie mais la claque verbale dans la gueule. Pardon, ouais, bah toujours. On verra demain matin. Écoute, sort de Kazak, ils ont des effets aléatoires, moi qu'est-ce que tu veux. Mais ouais, par contre du coup clairement l'armurerie magique de la tour, s'il y a des trucs qui peuvent être mis à disposition de ceux qui auront l'audace de vouloir les utiliser, autant y aller, quoi. Autant pas garder tout ça là. Oui. Après voilà, je sais bien que vous avez pas forcément envie de distribuer des armes surpuissantes à n'importe qui. Je comprends, hein, y a pas de souci, mais maintenant je me dis que... Voilà, si on est plus à taper fort... Même si je pense que pour ne pas entraver votre liberté de mouvement, il ne faut pas mettre énormément de guerriers qui soient directement en contact avec cette créature. Oui, de toute façon, ça va surtout être une escouade d'élite, mais... Autant avoir une escouade d'élite équipée. Et puis de toute façon, si les autres se contentent de pilonner le Kalaktak du haut des murs avec les balistes, etc., c'est pas un souci, mais je suis sûr qu'il y a forcément des guerriers qui voudront se jeter au corps à corps avec. Les autres vont fuir sinon. Pas pour. Enfin. Je tiens quand même à rappeler, il y aura pas que le Kalaktak, il y aura l'armée de démons à côté, et bah, ils serviront sans doute à l'armée de démons, tout comme le reste de l'armée servira sans doute aussi pour l'armée de démons. Les squads d'élite, ce sera nous. Ouais. Alors ça justement, Fénan disait qu'apparemment il y aurait pas forcément tant de démons que ça. Proche du Kalaktak.
À côté, il y en aura beaucoup. D'accord. Après, là encore, si vos masses sont très efficaces, ce serait peut-être pas forcément une mauvaise chose que d'en équiper un ou deux guerriers sélectionnés sur lesquels, je sais pas, le général peut avoir confiance. Si jamais, un gros Kéron décide d'arriver. Je pense pas qu'on ait assez de gens surpuissants pour arrêter des Kéron, alors... Ouais. Enfin, Après, j'ai vu les balistes, et je pense qu'un tir peut sécher un Kéron. Je sais pas, mais bon, la dernière fois qu'on en a eu un en face, ça a demandé un sacrifice magique, et ça a détruit je sais pas combien de personnes dans la zone. Donc bon, hein, suffit qu'il y en ait un ou deux qui décident de se pointer en plus, et ça peut clairement faire des ravages dans nos rangs qu'on pourra absolument pas contrôler. Donc, et je pense pas que les Kéron soient spécialement plus effrayés que ça à l'idée de combattre aux côtés du Kalaktak, alors... Enfin voilà, on verra bien ce qui nous viendra demain. Hein. Ouais. Enfin bon. Dans tous les cas, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord sur ce plan. Tout du moins, on n'a pas meilleure idée. Ce serait le terme le plus exact. Oui. En ce cas, il ne reste qu'une chose à faire. Dormir. La nuit porte conseil et repos. On va avoir vraiment besoin de ses forces. J'ai cru que vous allez dire boire et fêter notre future victoire, mais bon. Oh. Je pense que dormir, c'est un truc de mage. Si vous le souhaitez, vous pouvez dire ça. En tout cas, oui, j'ai besoin de boire. Je crois que je vais mettre Seigneur de boire. Je préfère pas me retrouver face au Kaktak avec une gueule de bois. Ouais, c'est les rocs, hein. Ah, et juste avant que vous alliez vous coucher, finalement, on a des lits prévus ici ou... Parce que je tiens pas à faire un saut en parachute. Enfin, ne vous en faites pas, deux étages en dessous, je vais vous montrer. Il y a des... Parfait. Bon bah j'espère que du coup la cité en bas aura été bien prévenue parce que... Vous avez informé Savion du plan? Non, pas encore, je vais aller le faire, merci de me l'avoir rappelé. Vous souhaitez que l'un de nous vienne avec vous ou... Ce ne sera pas vraiment nécessaire, à moins que vous ayez encore quelque chose à lui dire. En soi, je ne suis pas encore allé le voir, je vais lui faire aussi mon rapport. Bon. Après, si vous voulez partir avec une épée magique et un bouclier de la mort, ça sera peut-être content, ça passera peut-être mieux, je sais pas. Ouais. Allez, au cas où vous ayez une arbalète enchantée, Tari nous voudra certainement faire partie du combat alors. Pour ça, il faudrait déjà qu'il arrive à monter jusqu'aux murailles. Oh, il trouvera un moyen. Il arrivera 3 heures après ou il partira tôt le matin, mais... Je pense pouvoir lui dégoter quelque chose. Je vais faire ça. Et il part dans un autre angle de l'armurerie en tant que tel, vous laissant avec, en arrière-plan, Sini qui est en train de tirer ses premières flèches sur une cible qui se situe à l'autre bout de l'armurerie. Clairement, elle vise un peu à côté. Bien tiré. Mais elle a quand même réussi à en mettre une dans la cible. Pas au centre, mais dans la cible. Oh, tu me diras, vu la taille du Kalaktak, la précision est acceptable. De toute façon, il y a des démons qui boufferont largement des flèches comme ça, il n'y a pas de souci. Posons le nom qu'il va attendre. Du moment qu'il est très, ça fera l'affaire. Très bien. Est-ce que vous allez vous reposer du coup, directement ou est-ce que vous... Moi, oui, pour le coup. Si vous voulez manger, j'ai... Bouffer. J'ai d'abord bouffé. j'avoue que s'il y a moyen de se faire un repas, etc., pas de soucis. Ah, si y a moyen de se faire halas, là, direct. Hein. Bah, un repas, c'est vite dit quand même. Hein. Que vous voyez que Kézak a apporté, en fait, ce sont des espèces de plats en grès qui sont empilés les uns sur les autres, qui en fait contiennent un repas que, quand vous regardez, vous vous posez vraiment la question s'il se moque de vous ou pas.
Il est desséché en réalité. En gros, devant l'incompréhension de tes compagnons sur le fait que la nourriture soit desséchée, tu vas expliquer. Je trouve, en fait, c'est parce qu'il faut remettre de l'eau et ensuite faire chauffer, et ensuite les aliments reprennent globalement leur état d'origine. Et du coup, j'imagine que vu que Kezak a tardé à nous filer l'explication, Erok a commencé à manger son plat sans avoir mis de l'eau. Il peut. C'est bizarre, ça croche. Devant sa débilité absolue, il fait. Puis Erok voit Kezak mettre de l'eau dans son plat. Du coup, Erok se dit, je suis un peu con. Et il va faire de même. C'est un regard en mode, j'ai parfaitement compris ce que tu as pensé, et sache que je le pense aussi. Ah, toi aussi, t'as cru que c'était une biscotte. Bref, vous vous trouvez à manger votre plat dans cette sorte de salle de repos de la tour. Et le ventre relativement plein, plus plein en tout cas qu'il l'a été récemment, et la fatigue commençant à vous gagner, vous finissez par vous assoupir. Alors, moi, j'ai juste un petit truc au cas où. Après avoir mangé, je pense que je vais... dans la tour, me balader, monter ou descendre quelques étages, et puis aller me poser à un balcon, regarder l'horizon, le calme avant la tempête. Effectivement. Et attendre qu'un vieil homme en blanc avec une barbe vienne me parler en me disant que demain sera un grand jour. Mais après, si t'as pas ça sous le coude, c'est pas grave. Ah bah non, parce que le seul qui aurait pu faire ça est parti faire son conseil, faire son rapport à Savion. Bon, c'est pas grave, je resterai sur un balcon tout seul. Voilà. Et finalement, Signy vient te rejoindre. Alors, c'est pas trop vieux, c'est pas trop un homme, et je suis pas sûr qu'elle soit en blanc, mais fais avec. Et là, tu vois Hero qui la regarde, qui fait « Eh ben, tu feras le Hobbit !» Bon. Refaisons la scène. Elle va me trouver pensif en train de regarder au loin. En cet instant précis, Erok, tu sens comme une sorte de connexion. C'est un petit peu étrange comme sentiment, tu n'arrives pas bien à le décrire, avec Signy. Comme si elle était proche, pas en termes physiques, pas en termes de position dans l'espace. Tu sens quelque chose, c'est très fugace. Tu te poses même la question, ce sentiment qui t'a traversé, puis tu oublies, globalement. Le pédophile. Tout de suite. Je vais essayer de choisir mes mots pour que ça ne soit pas passé comme ça. Mais apparemment, ils ont des esprits dérangés dans cette compagnie. Yes. Laisse tomber, je suis dans une famille où le second sens, c'est le sens naturel des choses. Que, comme dit précédemment, vous vous retrouvez tous à vous endormir, globalement. Pas en même temps, mais au fur et à mesure. Et loin de trouver un repos complet, vos rêves sont agités. Et effectivement, vous êtes dans l'attente, peut-être, du combat le plus déterminant de votre vie. Et peut-être, en quelque sorte, le dernier.